Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons la dynastie des Junia. Bonjour Rome. C'est peut-être mieux de préciser qui, quelle faction. Ouais. Oh, et apporté. Oh oui, ah non. Oh merde, c'est triste. Bon, oui, c'est pas de chance ça. Voyons, voyons, voyons. Oui, on avait conquis Libérie. On va se rapprocher petit à petit de Massilia. Faire une petite embuscade. Je peux pas quitter Genua parce que les troupes à Medlan peuvent être gênantes. C'est bien, on continue. Par là, par là, par là, par là. On venait de prendre. Oh! Je reconnais, c'est une marche forcée. Je reconnais, c'est une embuscade. Très bien. Magnifique, n'est-il pas? Oh, il y aura de la perte quand même. Allez, le mode équilibré. Hop. Des captifs en moins. On ne s'arrête pas en si beau chemin, hein. Il a quoi le général là-dedans? Ok. Redoutable conquérant. Inexorable conquérant. Et on va chercher le reste. Ils étaient badass quand même. Ils avaient de bonnes unités. Oh non, j'ai perdu une unité de cavalerie. Ils avaient de bonnes unités. Bon, je vais aller récupérer mon unité de cavalerie perdue, moi. Allez, il va falloir aller recruter. Direction. Ebora. Toi. Retourne à Arakilom. Bah non, mais plus ça même aller à Katurba parce que Ebora, il n'y a pas les bâtiments nécessaires au recrutement. Donc on peut faire des stades. Apparemment, on skip, tiens. Pourquoi pas. Allez, Draco, pareil, un stade. Là, on a fait ce qu'il fallait. Dernier stade en Africa qui nous rapporte pas mal, hein, quand même. Un ordre public qui réaugmente, ça c'est cool aussi. Elle était là pour gagner des niveaux. Lui, il est en train de faire le tour. Il va avoir la portée, lui, hein, j'ai l'impression. Je vais l'emmener là. Alors, bah ça se passe bien pour l'instant, tout ça. Puis les Pictons, ils viennent de temps en temps pour nous donner de l'expérience à nos unités. Pacte de non-agression. Moi, je m'en fiche. Est-ce que ça m'arrangerait qu'ils viennent, quoi? Nos émissaires ont découvert une femme dans un village étranger qui semble avoir un don pour la perturbation. Engagée pour faciliter les négociations futures avec des nations étrangères. Qu'en pensez-vous? Bien évidemment que je la recrute. Quoi? Parce que ça va me permettre de la marier. Déjà, je l'adopte. Permettre de la marier et d'avoir un général supplémentaire. Elle est passée où? Elle est passée là, Pontia. 25 ans? Eh bien, bien ça. Hop, tiens. Promotion, double promotion. Hop là. Ça marchera pas, comme d'hab. Des gosses. De la science. Taux de recherche, voilà. Puis le reste. Voilà. Coucou hibou. Oh, mais même toi, dis. Hop. Plus de d'autorité. Allez, un d'autorité. Et un de russe. Tu vas avoir des bonnes stats, toi. Hein. Oh, mon cochon.
Qu'est-ce que j'ai foutu ici, moi? Bah ouais. Une embuscade, hein. Faut pas déconner. Hop. A plus. Oh, général de rang 8. Bien joué à toi, mon général de rang 8. En vrai, c'est vraiment pas mal, hein. Ouais. Je peux améliorer des unités. Je suppose que je peux, voilà, les rentrer de nouveau pour faire devenir des légionnaires. Ça a coûté cher. Ça a vraiment coûté une blinde. Ça me coûtait une. Hein? Je dirais pas le reste. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les jettes? Non, même pas, ils sont même pas. Ok, bon. Je peux améliorer les casernes de cohorte. Bien évidemment, on améliore nos bâtiments avant qui nous rapporteront de l'argent. Et dans un deuxième temps, les armées. Donc, on va commencer par la Légion 1. Voilà, réentraîner. Alors, ça fait devenir. Légionnaires vétérans pour les triaries et des légionnaires classiques. Ah, on passe à 73. Oui, non, mais attends. On va faire ça bien. Là, je suis à 72 avec les primes qui pèsent. Oh la vache! Ça coûte combien d'améliorer? Ouais, pas tant que ça. Légionnaire. Ouais, ça va pas améliorer tant que ça. J'ai pas l'impression d'avoir gagné des stats. Un peu d'armure, beaucoup plus cher à l'entretien surtout. Et un peu de défense en mêlée. Ok, bah, ouais, bah, je suis un peu déçu, hein, franchement. Tout ça pour ça. Pas ouf. Hein. Les triaries. Les jeunes vétérans. Ouais. Bon. Bah. Bon, disons que c'est toujours moins mal que rien, quoi. Un peu déçu quand même. Et les flottes, hein, je pense pas qu'on puisse. Ah si. Ah si. On passe de Triari et légionnaire vétéran pour les flottes également. Bon, tant mieux. On va le faire avancer lui. À votre service. Avez-vous d'autres ordres? Hop. Et j'hésite. Hein. Là j'hésite à aller prendre Burdiga là. Elle est bien défendue. Hein. On va pas aller la prendre de suite. Elle est bien défendue la ville. La cité, je veux dire, est très très bien défendue. On va pouvoir recruter quoi? Ah, de la première cohorte et des prétoriens. Ça, c'est intéressant. Là, on va pouvoir vraiment parler avec de la première cohorte et des prétoriens. Prétoriens, calme. Prétoriens. Lui, oh, je sais pas trop ce qu'il a. La victoire défensive. Mode défensif, voilà. Victoire décisive. Quelques esclaves, parce qu'on les aime bien, les esclaves grecs, comme on dit toujours. La vache, il s'est barré loin, lui. Et on va aller récupérer la ville, hein. Ouais. Hein, j'ai vu. Perturbation, non, c'est bon. Intrus. Les jettes. Commence vraiment à m'énerver. Ouais. Hop, les élus de Poséidon, ils vont toucher le fond.
Hop, on les coule tranquillou. Et on va faire un blocus. Non, ok. Ok, voilà, si je suis en résolution auto, j'aurai trop de pertes. Donc on va maintenir le blocus. Avec un peu de chance, il va faire revenir ses unités pour essayer de m'attaquer. Ça m'irait, franchement. Ça m'irait même très bien. Il y a un sacré bazar ici. Hein. Oups. Pas ce que je voulais faire. Voyons. Je ne sais plus si je me suis occupé de ce côté-là. Apparemment non. Ah, j'ai des pertes ici? En attente de plus d'ordre. Ok, c'est à cause de la forêt, je suppose. Bon, on va passer en embuscade. Et là, on va pouvoir avancer notre classe 6. Qui est bien expérimenté, ça fait plaisir. Allez, on avance encore un peu. On appuie, c'est bon, on n'a pas besoin de pousser plus. On y va tranquillement, mais. Ah zut, sûrement. Je les ai oubliés eux. D'ailleurs. Je vais changer. Bien évidemment que non. À la rigueur, je vais bien te laisser le dernier truc, je te fais un état client, je suis gentil. Bon, évidemment, c'était pas ça que je voulais, c'était ça. Là, les Arvernes, ils vont pas aimer la blague. Hop, on va commencer un petit siège. Bon, ils sont quoi? Ils sont 5000. Laissez-les battre en retraite comme des chiens. C'est pas des masses. Pourquoi je peux pas faire de blocus? Ah. On va continuer en faisant un petit blocus. Nous formons un blocus. Voilà. Et là, on va y aller tranquillou. Prêt pour vos ordres. Prêt pour de nouveaux ordres. Voilà. Là, on a la supériorité numérique ou la supériorité grâce à notre flotte. Donc, c'est gentil. Prêt pour vos ordres. Tant qu'à faire. C'est gratuit. Je mange pas de pain, comme on dit. Tout eux là. Les 10 ou je regarderai ce que ça me débloque plus tard. Incapable. Comment puis-je servir Rome? Comment puis-je servir Rome? Nous avons faim de bataille. Il meurt toujours pas de Comment faim. puis-je vous servir? On dira, ils doivent pas être loin. Hein. Si je leur prends ici, ils doivent pas leur rester grand chose. Voyons, on va commencer. Rétablir, non. Je peux pas rétablir de Légio. Donc hop, levé. Pareil, on verra ce qu'on pourra recruter sur le moment.
Ah ouais, il me reste des troupes ici. Des choses qui arrivent, hein, j'avais oublié. Ah, mon réseau routier est bien développé ici. Mais par contre, la décompasse là. C'est terrible. C'était bon, c'était pas mes territoires, c'est pour ça que c'est pas développé, forcément. Nous, on a. Nous sommes intelligents, nous développons nos routes, etc. Voilà, ils attaquent ma classe 6. C'est parfait. Alors, on va voir. Donc, eux. Ok. Flotte de garnison et une flotte, il va falloir s'en méfier de eux là. Eux, ils vont rien faire. Allez, mener la bataille sur le champ. Alors, en couler un maximum. Mille 1080, ok. C'est une résolution magnifique. Alors, voyons, voyons, voyons. Où est la ville? Où est la ville? Où est la ville? Elle a l'air d'être là-bas. Donc tous ces renforts viendront par l'arrière. Ça me va. Sans exception. Je peux pas mettre les rafales enflammées. Ah merde, ah c'est con ça. Il y a des renforts là-bas. Ils ont pas l'air de venir d'un autre endroit, je vérifie quand même au cas où. Allez, soyez précis les mecs, ok, deux navires. Deux navires de transport, c'est déjà pris. C'est ce qui est pris n'est plus à prendre. Toi mon ami, tu vas aller là-bas. Se préparer. Se préparer. Bonus contre la cavalerie. Et tu as loupé quelque part. Allez, on accélère pour l'instant. C'est bon, il a coulé, là, il a coulé. Essayez celui d'à côté. Waouh, avec tout ce qui s'est pris, enfin, tous ceux qui l'ont visé, il n'a pas réussi à couler. Hein. C'est quand même beau. Remets le feu à volonté. Quelques unités de nobles ici. Pierre d'assaut. Il va falloir s'en méfier hein, de ces troupes-là. Je regardais au cas où, hein, quand même, si j'avais pas une unité ennemie là qui était dans le coin qui traînait. Qui voulait venir faire joujou. Pas mal de cailloux quand même dans le ciel. Hein. Parfait, là. 1, 2, 3, 4, bim. Là, c'est bien qu'il prenne en cible lui. Attends, on va voir. Hop, oh, bah attends, il y a du monde là-bas. Regardez-moi ça, là. Tout le monde qui était là-bas. Hop. Bon, à part un. Tourner petit à petit, non?
Voilà. Non, parce qu'au bout d'un moment, faut pas déconner quand même. Ben voyons voir. Ouais, c'est très bien ça. Lui, il a coulé, hein. Il a bien coulé même. Lui, ça va faire un ou deux tirs qui se prend. Lui, je crois, il s'en est pris au moins un. Ouais, lui, il s'en est pris un autre. Hop là, attention, attention. Terrible, hein. 4 ou 5 là, 0 sur 4 ou 5, 0 sur 5 ou 6. Accrochez-vous. Préparez-vous au combat. Nous attendons vos ordres. Gloire à Rome. Prêt pour vos ordres. Navire d'artillerie au rapport. Hop, je vais les faire passer en mode bélier. Lui aussi. Ah, lui vraiment là il est sur la cuve. Bah non, je peux même pas. Moi je peux pas. Par contre ça fait trois charges qui se prend lui là, il a toujours pas coulé. J'y croyais plus. Hein. Brave Romain, sans exception. Artillerie à votre commandement. Ma navire paré. Voir à Rome. Puissance de feu paré. Tous de fiers Romains. Navire d'artillerie paré. Tous de fiers Romains. J'y croyais plus, j'avais plus d'espoir là. Ah merde. Ok, c'est bon. Accélérer, terminer la bataille. Bon, j'ai eu quelques pertes. Mais c'est raisonnable. Très raisonnable. Un compte pour 4080. Un ratio à 1,5%, même pas. C'est quand même pas mal, hein. Pour 80. Je prends. Un pour 81 même. Largement ce qu'il faut en revenu. Bon là il veut nous envoyer des agents, je suppose. Oui voilà. En espérant qu'il me le tue pas. Ça va. Ça m'aurait vraiment embêté. C'est pas vraiment le genre de blague que j'aime. Bon, il nous faut la même. Mais écoute, on mène la bataille sur le champ. Aucun problème. Contre la... Hier. Dagamemnon. Tiens. Vous avez pas démoli eux? Général. Artillerie à votre commandement.
Hop. Ils ont dû rétablir l'héritage, je suppose. Général. La ville est juste derrière. Oh tiens, je les oublie ça. Excusez-moi les mecs, je vous avais pas vu. Je pense que les renforts vont arriver par là. Ouais bah ils sont ici. Attendez, on va quand même vérifier au cas où, mais... Oui. Moi je veux voir les deux unités là de flotte. Il y a du monde. Là il y a du monde qui sert un peu à rien. Hop, on va les envoyer. De côté. Hop, touché, coulé. Et en plus, ça gagne des niveaux. Magnifique. Magnifique. Bon, c'est quand vous voulez, les mecs, hein, que vous faites. Hein. Bon. Leur réordonner, comme d'hab. Commence à avoir l'habitude. Ce sont des tirailleurs, donc ils pourraient me faire mal. Ils pourraient me tirer dessus à distance, et j'aime pas la blague. C'est passé à travers. Là, c'est pas passé dedans non plus. Oh, c'est terrible ça! Voilà. Je pète deux mâts là. Je pète le mât avant, le mât arrière. Pas de chance. Là, ça n'a pas touché. Parce que sinon, normalement, deux, il... Voilà. Ça n'avait pas touché, hein. C'est moche quand même. Bon. On accélère, on met le feu à volonté, peut-être que... Oui. Là on a une de ces unités... Non? Si? Non? Ils sont où? Ah, je me disais aussi, tiens, il y avait un truc... À charger, le salaud il va se planquer derrière. Voilà. C'est parti. Laissez passer. Bon, forcément, il va falloir leur dire d'aller dans le bon sens, quoi. Ok, il y en a un qui a pas compris. Bon, comme d'hab, quoi. Donc là, il va faire marche arrière, normalement. Hop là. Donc il n'y a pas le bip-bip des camions. Là. Oh, il a quelques survivants. J'ai pas fait attention. Je pensais lui avoir tout coulé, mais non. C'est pas grave. Une petite frondeur qui a survécu, quoi. Là, il se dit, ça pue ça. Et si je commençais à faire inventer mes unités, quoi. Un enfant est né. Très bien. D'ailleurs, qui usure. Ah oui. Bon. Mes résolutions ont mal équilibré. Bienvenue Burdigala, tu intègres aujourd'hui l'Empire romain.
Ah, ici ça va être une production minière. Tout le coin va être production minière. Donc on va s'adapter en tant que tel. Encore vu, il est encore vu lui. Plus vite, bande de larmes. Bizarre, moi. Ah dommage, Nemosos il peut pas être pris comme ça. Ce sera le tour prochain. En plus avec les monomes. La surprise sera... On aura encore du fer. Ça, c'est pratique pour développer nos nouvelles armes. Peut-être que je fais fort là, oui. De même, peut-être pas fou comme idée quoi. Hop, en 6 alpina, on fait du bonheur. Alors, il me semble avoir vu quelque chose. Deux choses, déjà la première, ici, et la deuxième. Ils avaient une armée ici à un moment. Je sais pas où elle est passée. Déjà on va aller chercher, ils vont fuir. Résolution auto. Mode défensif suffira largement avec les balistes. Est-ce qu'il est passé leur général ici? Peut-être voulu se barrer pour essayer de choper Massilia. Aucune stricte foutue idée. Ici, bah y a plus grand chose. Hein. Donc on occupe. Et pareil pour Medlan. C'est gratuit, y a plus personne. Ah, ils mouraient de faim en plus. Ah, c'est peut-être ça, peut-être qu'ils avaient pas assez de bouffe et que. Et qu'elle a fini par se dissoudre leur armée. Ah zut, je voulais le subjuguer, je l'ai pas fait dans le bon sens. Bon bah, c'est ballot. Hein. Bon bah, y a plus de Massilia. Bon. À la base, je voulais pas le faire comme ça, mais bon bah. Le fait est que de fil en aiguille. Ça pourrait se tourner là, quoi. C'est dommage. Pour eux. Mais on va faire un petit tour des provinces. Tanzania, Metikaka, Conexi, 6 Alpina, Cartaginensis, Magna Grecia, Africa, Mauritania et Italia. Bien. On a tout ce qu'il faut. C'est plutôt bien. Un ennemi en moins en plus. Plus que deux. Les Arvernes. Les Pictones. Ah, les Pictones qui ont quelques territoires, mine de rien, tout ça là. J'ai l'impression que là, c'est à eux. Là aussi, là peut-être, je sais pas. Ah, ils sont peut-être pas si faibles que ça. Hein. Ah bon, je sais pas si foutre là. Combien de tours avant la... 2. Ok. Oh, ah bon? Ah oui. Je les ai oubliés eux. Excusez-moi les gars. Ah, fais attention. Allez. Je vais m'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Oh, il est mignon. Moi, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode pour peut-être s'occuper des Arvernes. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. C'était Tiob.